Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ça fait vraiment plaisir de vraiment tous vous revoir. Donc, j'ai depuis un bon moment de temps lutté comme un moine tibétain pour vraiment vous avoir une interview de qualité aujourd'hui et comme la dernière fois pour Fabien Delcourt. Et là, c'est carrément de retour d'Okinawa que je l'ai chopé à l'aéroport. Vraiment, ça me fait très, très, très plaisir de l'avoir parmi nous et de le compter dans notre challenge. C'est Jérémy Mercier. Donc, vraiment, Jérémy, à toi la parole. Donne-nous du soleil, donne-nous de l'inspiration, de la méditation, tout ce que tu as appris du Japon. Oui, bonjour Jean-Marie. Donc effectivement, alors je suis rentré pas aujourd'hui, mais il y a une semaine tout pile d'Okinawa où j'étais en recherche. Je m'intéresse depuis à peu près un an, je dirais, un peu plus d'un an, aux zones bleues. Donc je ne sais pas si ta communauté connaît les zones bleues. Tu Je en as te parlé laisse peut-être en ou? parler un petit peu plus. D'accord, ok. Et donc les zones bleues sont les lieux où les personnes ont été, où des personnes, où la population de manière générale vit plus longtemps et en meilleure santé que ses voisins. Et donc il y a cinq zones bleues qui ont été validées scientifiquement dans le monde, qui sont une petite région de la Sardaigne qui s'appelle la région Barbagia. Donc la Sardaigne, c'est une île qui appartient à l'Italie, au sud de la Corse. Ensuite, il y a la péninsule de Nicoya au Costa Rica, la ville de Loma Linda en Californie, qui se trouve à 1 heure de Los Angeles à l'est. Il y a la petite île d'Icaria, qui appartient à la Grèce et qui est à quelques kilomètres de la Turquie. Et puis il y avait l'île d'Okinawa au Japon. Donc, je me suis rendu dans quatre de ces cinq zones bleues. Et donc, j'étais à Okinawa j'y ai passé une dizaine de jours. Je suis rentré la semaine dernière. Et donc, je dis que Okinawa était une zone bleue parce que jusqu'il y a une dizaine d'années, c'est là-bas qu'on avait l'espérance de vie la plus longue au monde pour les femmes. Donc, c'était le record de longévité mondiale, c'était Okinawa pour les femmes, c'était pas pour les hommes par contre. Et en fait, depuis une dizaine d'années, Okinawa a perdu ce statut de zone particulière puisque maintenant, en termes de santé, c'est plus comme avant. Il y a une explosion de l'obésité, de diabète de type 2, de maladies qu'on connaît bien en Occident, qui fait que donc Okinawa est maintenant plutôt mal placé parmi les provinces, parmi les préfectures du Japon. Et donc, on a perdu ce côté un peu exceptionnel qu'il y avait à Okinawa, donc qui n'est plus une zone bleue à proprement parler, même s'il y a quelques endroits qui ont encore un peu l'esprit zone bleue, entre guillemets. Mais c'est devenu vraiment une petite partie infime de l'île. Donc voilà. Donc c'était très intéressant de voir à quoi ressemble une ancienne zone bleue, on va dire. Et j'en ai quand même profité pour aller voir voilà quelques personnes âgées en plutôt bonne santé et essayer de voir aussi quels enseignements on pouvait tirer à la fois de leur vie passée et de ce qui s'est passé récemment et qui explique qu'on ne soit plus dans ce cadre de longévité exceptionnelle. D'accord. Ben, en même temps que Globetrotter, donc je précise que Jérémy Mercier donc, est auteur de livres qui ont eu un certain succès. Donc le premier, les deux, tu peux les présenter, Jérémy. Voilà, sur l'alimentation, puisque c'est Voilà. ça qui t'intéresse, qui nous intéresse aujourd'hui. J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents aux Voilà. éditions de Saxe. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier. Et puis j'en ai un autre sur mon autre domaine de prédilection, qui est l'hygiène émotionnelle. Voilà, l'hygiène émotionnelle, D'accord. en finir, le chaînon manquant de votre épanouissement. Pardon. Voilà. Parce que du coup, Jérémy n'est pas uniquement dans l'accompagnement des personnes dans l'alimentation, mais aussi il prend en compte les émotions et justement met un point d'honneur à bien séparer justement En les fait, disons émotions. que j'ai une vision globale de la santé et l'alimentation est vraiment pour moi le pilier numéro un, ça c'est clair. Et c'est pas le seul. On peut bien s'alimenter et ne pas être en bonne santé parce qu'on a ignoré d'autres aspects de notre vie, aussi, que ce soit notre vie émotionnelle, on peut être très stressé et ne pas avoir les bons outils par rapport à ça et du coup être plein d'émotions rentrées qui vont nous causer du tort. On peut aussi avoir une mauvaise hygiène de vie, ne pas respecter son besoin de sommeil. Ou bien ne pas faire suffisamment d'activité physique.
On peut avoir de mauvaises relations avec ses proches. Enfin bref, il y a vraiment un ensemble qui fait que voilà, j'ai cette vision globale qu'on appelle aussi holistique. Et c'est dans cet accompagnement où on est à la fois sur l'alimentation, sur les émotions, sur l'activité, sur le repos, sur des techniques de santé naturelle qu'on arrive vraiment à avoir des résultats extraordinaires dans l'accompagnement. C'est ma vision donc d'une santé globale ou holistique. D'accord. Et le terme holistique, si tu peux bien expliquer en fait, qu'est-ce que tu entends par le terme holistique ? Alors, c'est un terme qui… On entend de plus en plus, mais c'est vrai que ouais. Certains, ça peut peut-être être un petit peu… Oui, alors en fait, c'est un terme qui est très connu en langue anglaise, hein, « holistic doctor », ça se dit beaucoup. Il y a plein de médecins qui se proclament comme « holistique ». C'est relativement connu et courant. En français, ça l'est moins… bizarrement, enfin, parce qu'on a une vision un peu plus traditionnelle de la santé. Holistique, ça vient du grec holos, qui veut dire le tout, la totalité. Donc en fait, ça veut dire une vision globale de la santé. Par exemple, un médecin holistique, quand quelqu'un a un problème de peau, il ne va pas forcément tout de suite chercher à mettre de la pommade pour faire partir le problème de peau. Il peut aller s'intéresser à l'alimentation de la personne et voir si ce n'est pas lié à l'alimentation, si ce n'est pas lié peut-être à l'utilisation de certains produits cosmétiques, si ce n'est pas lié à du stress, enfin, à plein d'éléments qui ne sont pas juste le symptôme. Et donc, c'est une approche qui va à l'encontre de l'approche conventionnelle médicale actuelle qui est un symptôme égale un médicament et on ne va pas chercher à aller chercher les causes qu'elles sont derrière le symptôme. Et moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, je ne suis pas médecin, mais je suis là pour accompagner les gens à aller chercher à avoir cet esprit un peu d'enquêteur qui va essayer de déterminer quelles sont les causes derrière leur problème. Par exemple, quelqu'un peut être en surpoids et le surpoids peut avoir plein de causes. Ça peut être des causes émotionnelles, des causes de problèmes d'intolérance alimentaire, de manger trop, de pas assez de sport. Enfin, toutes ces causes-là peuvent générer ce problème de surpoids. Et quand on va vraiment toucher, quand on va s'adresser aux bonnes causes, eh bien, on va avoir des résultats vraiment très forts. Voilà, c'est ça, cette vision. Et de la même manière, je parlais de problèmes de peau, mais on peut avoir des migraines liées à un foie qui ne fonctionne pas correctement, lié à des intolérances alimentaires, encore une fois. Et ce n'est pas en donnant un cachet pour faire passer le mal de tête qu'on va résoudre le problème. On va résoudre temporairement, on va masquer le symptôme, mais on ne va pas résoudre le problème. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est d'aller chercher la cause du problème pour être beaucoup plus efficace et avoir des résultats sur le long terme. D'accord. Et en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu retires sinon ? Comme expérience. Moi en fait j'ai écrit donc ces deux petits livres sortis aux éditions de Saxe et ça a été en fait c'est une demande qui m'a été faite par l'éditeur, c'est pas moi qui ai cherché, c'est eux qui m'ont contacté suite à un webinaire que j'avais fait il y a un an presque et demi sur le nettoyage du foie qui est une de mes spécialités et des thèmes que j'adore aborder avec mon audience. Et donc l'éditrice, la directrice de la maison d'édition m'a abordé en disant « J'ai adoré votre webinaire, j'adore votre énergie. » J'étais super content. Et puis elle m'a dit « Est-ce que vous avez des idées, des thèmes de livres ? On a envie de lancer une gamme de petits livres ludiques et qui vont droit au but. Et vous êtes parfaitement dans cette niche-là. » Et j'ai dit « Avec grand plaisir. » Et donc, l'idée de ces… Donc, c'est des livres qui sont relativement courts. Enfin, ils font 80 pages. Et il y a pas mal d'illustrations pour aider à la lecture et donner un côté ludique et enfin, drôle. Enfin, moi, je suis vraiment ravi des illustrations que l'illustratrice a faites. Et ça permet à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce domaine-là à se plonger dedans et en retirer des éléments qui tombent dans le grand public, puisque ce sont des livres grand public qu'on trouve partout en librairie, sur Amazon, à la Fnac, etc. Mais c'est aussi finalement des informations de qualité basées sur la science. Et du coup, c'est des choses puissantes en termes de résultats qu'on peut avoir en suivant les informations données dans ces livres, même si de prime abord, ils paraissent enfantins. Non, mais c'est bien. C'est bien parce que aussi il faut aborder de manière ludique, comme ce côté interview qui n'est pas sérieux et voilà professionnel. C'est très bien. En plus, on voit ta fille, donc comme ça, ça voilà. Comprend.
notre interview est improvisée. On voit la deuxième. Il y en a même deux qui voilà. Puisque elles sont pas. Et donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ouais. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est bien de ramener aussi du sourire. Et j'ai envie de dire, c'est-à-dire que j'ai écrit. J'ai pas dit, mais en fait, j'ai un cursus à la base. Je suis scientifique de formation, je suis chimiste et j'ai fait un doctorat en recherche environnementale. Et j'ai toujours eu à cœur de simplifier un message, de le vulgariser pour que presque même un enfant puisse comprendre. C'est-à-dire que on peut parler de choses qui sont relativement complexes, mais avec des mots tellement simples que ça paraîtra évident et facile. Et moi, j'essaie de sortir vraiment du jargon des experts qui en fait se comprennent entre eux, mais rendent difficile à comprendre leur message à des gens qui ne sont pas de leur milieu. Et c'est comme ça qu'un médecin justement perd souvent ses patients parce qu'il va utiliser des mots techniques, chimiques ou autres, que lui-même ne maîtrise pas forcément complètement, mais qui permet de mettre une distance et qui va donner une impression de supériorité. Et moi, je suis vraiment dans… j'aime bien pouvoir communiquer d'égal à égal, même si j'ai une expertise, mais pour pouvoir la transmettre de façon facile et efficace aux personnes à qui je m'adresse. Ah, c'est vrai qu'avec un bon parcours scientifique, c'est bon quand même d'avoir des bonnes bases scientifiques pour la nutrition. J'ai discuté avec une diététicienne et une nutritionniste. Voilà, on sent quand même que c'est poussé, quoi. Quand même, ce que j'ai découvert aussi, c'est que finalement, ce qui peut apparaître comme poussé parfois, comment dire les choses de façon simple, c'est-à-dire que la théorie, souvent, c'est une façon. Et beaucoup de diététiciens, alors je ne sais pas quelle discussion tu as pu avoir avec cette diététicienne et cette nutritionniste. On a été au plus simple, parce que ouais. C'est une interview et je ne veux pas perdre l'auditoire. Mais je vais en avoir d'autres aussi. Petit à petit, l'auditoire aussi va avancer dans les connaissances au fur et à mesure des interviews. Okay. Quand même, on est dans un segment où on va côtoyer des gens qui ont un parcours scientifique et donc il va falloir aussi que on le comprenne, on l'admette et qu'on s'y mette aussi de notre côté à lire. Moi, de mon côté, je me suis mis à lire pas mal de petites choses. J'apprends comment le système digestif fonctionne. J'apprends qu'il y a à l'intérieur de notre troisième cerveau. J'ai appris justement cette histoire des trois cerveaux. Et à l'intérieur des trois cerveaux, un liquide qui permet de digérer les aliments plus facilement. Et je sais plus si c'est un liquide très, 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 très corrosif, qu'on a à l'intérieur de nous. C'est de l'acide hyaluronique ou je sais plus le nom. Chlorhydrique. Ou chlorhydrique ou je sais plus. Au niveau de l'estomac. En tout cas, c'est clair que la digestion et j'ai envie de dire tous les processus du corps humain, si on veut les regarder d'un point de vue moléculaire ou chimique, ça peut être rapidement assez complexe. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est que c'est bien d'avoir cette connaissance-là et en tant qu'expert, c'est important. Et en même temps, quelqu'un qui n'a pas forcément besoin ou envie d'être expert dans sa vie de tous les jours, il n'a pas besoin d'avoir ces notions-là. Et les gens qui vivent dans ces zones bleues que j'ai mentionnées, c'est pas des gens qui ont forcément été à l'école jusqu'à un âge avancé. Et donc, j'ai rencontré des centenaires dans plusieurs de ces zones bleues qui n'ont pas donc une grande éducation. Et pourtant, ils ont une sagesse qui est présente et ils ont une simplicité dans leur mode de vie qui est beaucoup plus avancée quelque part que celle des plus grands experts en nutrition. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils interpellent les scientifiques qui ne comprennent pas pourquoi ces gens-là vivent aussi longtemps et en bonne santé. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit, notamment aux États-Unis, je pense à ça, des gens qui se proclament experts en nutrition, qui essaient de réinventer la roue, qui vont sortir des mots compliqués, des nouvelles protéines, des nouveaux compléments alimentaires, mais ils n'arrivent pas finalement
à avoir des résultats aussi puissants que ces personnes qui, avec trois fois rien, en termes, c'est des gens qui ne vivent pas avec beaucoup de moyens. Souvent, ce sont des gens qui vivent dans des régions reculées, donc d'Italie, du Costa Rica ou du Japon ou de Grèce. Et pourtant, ils ont cette bonne santé qui coûte cher quelque part. Ils ont une santé de millionnaire tout en n'ayant pas les moyens d'un millionnaire. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est qu'avec des choses simples, avec sans forcément avoir des théories très poussées, on peut avoir des résultats extraordinaires. Il y a une partie de l'auditoire qui va revenir sur de la... qui aussi prône la simplicité chez beaucoup de gens qui la simplicité, la bienveillance, un mot qui revient beaucoup dans nos interviews. D'accord. Et donc après c'est vrai que par la suite je te demanderai à toi comment tu résumes le fait de bien manger à la fin de l'interview. Oui, bien sûr. C'est vrai que la simplicité et la bienveillance sont deux mots qui sont actuellement, là, tout le monde revient dessus à 100%. Quoi. C'est tout le monde. Après, il y en a certains qui rajoutent d'autres termes, mais ce sont deux termes qui reviennent à toutes mes interviews. Moi, je vais pas mentir, c'est vrai que quand on regarde Okinawa, j'ai déjà vu des reportages qui parlaient d'Okinawa. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre que les gens, ils n'ont rien demandé. Ils ont juste tout simplement vécu leur vie de tous les jours en plantant leurs légumes et puis en faisant leur petite vie sans déranger personne et sans être nocif pour personne. Et voilà, derrière, on voit qu'ils vivent bien, ils sont en bonne santé. Je mettrai tout ça donc plutôt au passé puisque ce phénomène-là n'est plus aussi extraordinaire qu'il a pu l'être à une époque. Et ce que je veux dire, c'est que finalement cette simplicité entre guillemets qui est à Okinawa et que on peut trouver dans pas mal d'endroits, elle n'est pas spécifique aux zones bleues, mais dans les zones bleues, il y a quelque chose de plus. Et on peut très bien, dans plein de pays, il y a des gens qui font leurs légumes, qui ont leur jardin, qui vivent simplement. Et qui n'ont pas cette longévité-là. Donc, c'est bien qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus important qu'on ne comprend pas entièrement. Mais au niveau de l'alimentation, puisque je pense qu'on va y arriver bientôt, l'alimentation dans les zones bleues, et c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, c'est une alimentation qui est très fortement végétale. Les produits issus de viande, de poisson et même de produits laitiers, c'est une très, très faible partie de leur alimentation. Et du coup, c'est peut-être aussi ça, une des spécificités, c'est que ces zones bleues sont des zones qui sont plutôt des zones reculées, plutôt pauvres, où les gens, donc par manque de moyens aussi, avaient peu accès à la viande. C'est-à-dire que ça coûtait cher la viande ou ça coûte encore cher la viande dans ces endroits-là. Donc, ils en mangent extrêmement peu. Et même en Sardaigne, donc la micro-région Barbagia, ce ne sont pas une région… la Sardaigne, c'est une île et pourtant, ce ne sont pas des pêcheurs. Ils mangent très, très peu de poissons. Il y a pas la zone bleue, elle ne va pas jusqu'au bord de la mer. Les villages de pêcheurs ne font pas partie de la zone bleue. Et les gens qui vivent dans la zone bleue sont plutôt des bergers qui avaient des brebis ou des chèvres dans la montagne et qui ne consommaient jamais de poissons. Et consommaient un peu de viande parce que tous les ans, il y avait des nouveaux petits… agneaux ou chèvres et donc ils en mangeaient un peu mais c'est une petite quantité et en gros les petits mâles qui étaient tués parce qu'on gardait que les femelles pour le lait pour plus tard c'était consommé rapidement puis après il n'y avait plus de viande quasiment pendant tout le reste de l'année. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir et qui est typique à ces régions et cette très faible consommation de viande c'est pas forcément ce qu'on observe partout dans le monde et c'est une des caractéristiques des zones bleues. Et à Okinawa, peut-être ce qu'il y avait encore de plus intéressant, c'est que, et là je touche un sujet qui est un peu sensible, qui est celui du soja. Le soja, alors je ne sais pas où est-ce que ça en est au niveau de tes interviews, mais en tout cas, le soja ressort souvent comme un aliment un petit peu, attention, c'est dangereux, il y a des controverses.
à Okinawa, leur mode de vie, la consommation de soja était, et elle est un peu moins maintenant, mais énorme. Très grosse consommation de soja, donc parmi les plus importantes au monde. Donc, j'ai envie de dire, c'est un exemple concret qui montre l'intérêt probablement du soja, riche en plus de ça. C'est un soja qui est encore plus riche en isoflavone que les autres sojas. Donc, c'est censé être les trucs qui sont les moins bons de soja, mais en fait, selon les détracteurs du soja, et finalement à Okinawa, c'est là qu'ils en consomment le plus. Donc, on arrive comme ça à des incohérences par rapport à des théories aujourd'hui qui ont le vent en poupe et qui ont beaucoup d'adeptes et qui, en fait, ne sont pas basés sur les faits. D'accord. Ils sont basés sur des idées de gens qui ont décrété que c'était comme ça, même si ça ne correspond pas à la réalité. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça permettra aussi de prendre du recul par rapport aux prochaines interviews. Je n'ai pas eu encore de végétariens et de véganes. Donc, ils vont me dire, eux, leur vision par rapport à la question qui est... Pour vous, ça signifie quoi manger sainement au 21e siècle? Oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé, on a abordé surtout effectivement toute la première partie que tu as dit, hein, effectivement, mais tout ce qui est viande, question de viande, tout ça, on n'a pas encore abordé. Bon, après, c'est vrai que ça doit rester une interview aussi de type ludique aussi, c'est pas non plus quelque chose qui doit être pour forcer les gens à faire soit arrêter de manger de la viande, soit des produits. Bah, en tout cas, moi, dans mon livre, justement, sur... Attends, où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. Oh, bah, mes films l'ont piqué. Oui, je crois qu'il y a une des qui est partie avec, ouais. Voilà. Elle est lisse parce que comme il y a des illustrations, en tout cas là-dedans je montre faux amis en termes d'alimentation et il est clair que la viande est un des faux amis puisque on a tendance aujourd'hui à, enfin encore aujourd'hui de moins en moins mais c'est quand même toujours présent à dire que la viande ce sont des protéines de qualité supérieure en tout cas aux protéines végétales et finalement quand on regarde vraiment les publications scientifiques indépendantes sur ce sujet on se rend compte que c'est pas du tout le cas. D'accord. C'est vraiment intéressant de prendre ça en considération, de vraiment de s'intéresser à ce que dit vraiment la science et non pas à ce que disent les lobbies, puisque c'est aussi mon credo aujourd'hui, c'est « deviens le lobby de ta santé », dans le sens où aujourd'hui, malheureusement, on est tous soumis à, sans le savoir, à des messages qui viennent majoritairement de lobbies qui font des publicités, que ce soit des lobbies des produits laitiers, des lobbies de l'élevage ou des lobbies de l'industrie agroalimentaire de manière générale, et qui ne vont pas forcément promouvoir des messages santé, mais des messages consommation de leurs produits, quitte à même à modifier les recommandations nutritionnelles nationales pour qu'elles aillent dans leur sens, et non pas dans le sens de la santé. Et c'est comme ça que depuis plus de 50 ans, le lobby des produits laitiers a réussi à faire un énorme lavage de cerveau et a fait en sorte que tout le monde soit convaincu qu'il faille manger 3 produits laitiers par jour et que ce serait indispensable pour la croissance et pour les os, etc., alors que c'est faux et ça a été démontré plein de fois par beaucoup de scientifiques et notamment il y a vraiment un chiffre que je trouve hallucinant, c'est que on aurait l'impression que sans produits laitiers ben l'ostéoporose c'est sûr qu'on va avoir des problèmes d'ostéoporose et de problèmes d'os et à Okinawa donc ben il n'y a pas de consommation de produits laitiers et au Japon de manière générale il y a très peu de consommation de produits laitiers et c'est un des pays au monde où il y a le moins d'ostéoporose. Alors que la Suède, qui est un des pays où il y a la plus forte consommation de produits laitiers, eh bien, c'est le pays avec un des plus forts taux de fracture du col du fémur. Donc, voilà, c'est, j'ai envie de dire, les faits sont là. Et il faut faire vraiment super attention dans les messages qu'on entend, de savoir d'où viennent les informations et à qui ça profite. Oui, donc là on rejoint la précédente interview où le coach sportif lui il nous parlait carrément d'achat des lobbies payés en fait pour contourner la vérité en fait. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et même certaines personnes qui se présentent comme des experts indépendants,
eh bien, sont parfois des gens qui bossent directement pour ces syndicats de producteurs de lait, etc. Et donc, j'ai envie de dire, en fait, ils mentent, quoi. Ils donnent l'impression qu'ils sont indépendants, mais ils ne le sont pas. Mais en fait, par rapport à cette question-là, de toute façon, c'est chacun qui va pouvoir faire ses petites recherches et prendre ses responsabilités. J'ai envie de dire, les recherches, ce n'est pas forcément évident à faire parce qu'on n'a pas, on n'a pas appris à faire ça. L'école aujourd'hui ne forme pas des personnes qui sont indépendantes d'esprit, mais des personnes qui apprennent de la part d'une autorité supérieure. C'est l'enseignant qui transmet des informations à des enfants qui ne savent pas. Et ce modèle-là de scolarité forme de très bons, j'ai envie de dire, un peu moutons et pas des gens qui apprennent à réfléchir par eux-mêmes. Donc, c'est très difficile de sortir soi-même de ce conditionnement-là. Et même moi, je veux dire, j'en suis un pur produit dans le sens où j'ai fait les études les plus longues possibles. Et je suis passé par Maths Sup, Maths Spé d'ailleurs, dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait le cursus classique, après même prépa. Après, je suis entré dans une grande école. Après, j'ai fait un doctorat. Donc, je suis allé au bout du bout. Et finalement, c'est pas grâce à mes études que j'ai appris à apprendre et appris à être indépendant. C'est grâce à mes recherches en dehors. Et il a fallu que je me détache d'un système qui m'enfermait. Et même en tant que chercheur, j'étais pendant ma thèse, j'étais en compagnie de personnes qui se disaient, qui pensaient être scientifiques, mais qui en fait n'arrivaient pas à penser par elles-mêmes. Et même pendant ma thèse, donc j'avais des financements, j'avais un financement privé pour mon travail de recherche sur les impacts environnementaux des biocarburants à l'époque. Et en fait, mon financeur, il attendait que je donne un résultat qui lui convienne. Et c'est tout. Il ne permettait pas que je fasse des recherches vraiment indépendantes. Voilà. Donc c'était vraiment difficile pour moi de sortir de ce carcan-là, de ce conditionnement-là. Non, bah c'est un témoignage de parcours qui est assez intéressant aussi, parce que aujourd'hui les gens sont un petit peu perdus. Est-ce que je dois continuer les études? Est-ce que je dois aller jusqu'à bac plus 5? Est-ce que je dois avoir Après voilà, ça dépend de tout ce qu'on veut faire. Si on est indépendant, eh bien, on a besoin de personne, on a besoin d'aucun diplôme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, être indépendant, c'est savoir gérer des montagnes russes, ne pas avoir de revenus pendant un temps, et puis savoir se dire. C'est un choix, c'est sûr, un certain courage. Voilà. Attends, excuse-moi juste un petit instant. Je vais leur demander comme de sortir à mes filles. Je t'entends plus. Oui, pas de souci. Je suis en interview. Vous n'avez rien à fiche de moi. Mais c'est tranquille. Vous ne rentrez pas ici. Donc ouais, je disais oui, effectivement, aujourd'hui en France, les gens sont là, ils savent pas trop où aller, ils savent même pas. Ils savent même pas ce qu'ils vont devenir. Pour certains, 15 ans, c'est pas facile. Et j'ai choisi l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'au début, je comprends les jeunes. Hein, c'est pas facile de prendre tout de suite la bonne voie. Faut apprendre à se connaître aussi. C'est sûr que c'est un parcours qui est pas simple. Qui n'est pas le plus simple en tout cas, mais à un moment, c'est à chacun de devenir maître de sa vie et ça peut passer par des étapes pas forcément évidentes, mais qui nous font grandir. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais après, il y a effectivement ce côté où, qui est plus rassurant, le patron, il est là, j'ai un salaire, j'ai mes amis, que quand on n'a plus le travail, et qu'on commence à réaliser sa légende personnelle, j'en ai pu se parler avec une autre interview. Là, par contre, on a les montagnes ascensionnelles. Ça veut dire qu'il y a des moments où on a des revenus, il y en a des moments où il n'y en a pas. Il y a des moments où on a des belles surprises, il y a des moments où on a des très mauvaises surprises. Et tout ça, c'est à nous-mêmes de le gérer. Et c'est à certaines périodes de la vie
c'est pas, ça peut ne pas correspondre à certaines personnes, je pense. Et c'est vrai que bon, bah, les études, ça rassure, quoi. Ça rassure. Mais bon, bah, au moins, on aura ton avis, puis bah, ça, ça permettra de savoir ce que ça donne, hein, d'avoir maths sup, maths spé, et puis de savoir. Moi, ce que je peux te dire par rapport aux études, c'est que donc moi qui ai fait des longues études avec des gens qui étaient censés être entre guillemets l'élite, bah, la plupart de mes collègues ne sont pas forcément dans des boulots où ils se sentent épanouis et eux-mêmes sont dans des vies où ils se sentent, voilà, voilà, j'ai envie de dire, un peu impuissants et pas maître de leur destin. Et c'est vraiment beaucoup de gâchis, moi, je trouve. D'accord, d'accord. Bah après, c'est vrai que l'épanouissement au travail ou l'épanouissement dans la vie, effectivement, ouais, c'est une question qui est très, très large. Et donc, sur tes zones bleues, du coup, parce que ça rejoint vraiment toute notre question, en fait, tout notre raisonnement, c'est manger sainement au 21e siècle. C'est ce que je veux dire. C'est au-delà du regard simpliste, en fait, sans connaissance. Du coup, tu as vu des récurrences, des choses qui revenaient tout le temps, en fait. Alors, en termes d'alimentation, clairement, donc ce que je disais, c'est que c'est une alimentation qui est très faible en aliments d'origine animale. C'est très largement végétal, voire 100% végétal, comme c'est le cas dans une grande partie de la population de la ville de Loma Linda en Californie. En fait, c'est une des zones bleues qui est un peu particulière dans le sens où elle est composée d'habitants qui, comment dire, c'est un groupe religieux. Ce sont ce qu'on appelle des adventistes du septième jour. Et c'est un groupe chrétien américain. Bref, ils ont des préceptes particuliers. Et parmi leurs préceptes, ils ont une lecture de la Bible qui leur fait comprendre qu'ils ne devraient pas manger de viande, ni de poisson, ni autre chose qui soit végétale. Voilà. Et du coup, ils ont mis ça en application depuis à peu près un siècle. Et je crois que cette religion, elle date du milieu du 19e siècle. Et parmi les plus connus des gens qui viennent de cette religion, il y a les frères Kellogg's qui ont créé les fameuses céréales à la fin du 19e siècle. Et donc ces gens-là sont soit végétariens, soit végétaliens. Et donc une partie, à peu près un quart de la population de Loma Linda est végétalienne et au moins deux tiers sont végétariens. Et quelques-uns sont pescatariens, c'est-à-dire qu'ils mangent, en tout cas en anglais on dit pescatarian, je ne sais pas si le terme en français existe réellement, pesco-végétarien, c'est-à-dire qu'ils mangent pas de viande mais mangent un peu de poisson. Et très peu sont omnivores en fait. Et dans cette ville, l'espérance de vie est à peu près 7 ans supérieure à l'espérance de vie de l'État de Californie. Donc, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en Californie, mais ils ont une longévité bien supérieure, ainsi qu'une meilleure santé, de manière générale. Et un monsieur très impressionnant que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, mais bon, ça viendra parce que je retourne à Loma Linda donc, au mois de fin juin, début juillet, s'appelle Elsmore Wareham. C'est un cardiologue âgé de 102 ans ou 103 ans, je ne sais plus. Enfin bref, il doit avoir 102 ans aujourd'hui. Et il a exercé en tant que cardiologue jusqu'à l'âge de 96 ans. Donc, il faisait encore des opérations à cœur ouvert. Hein. Donc, quelqu'un de bien, bien pointu. Et lui, il attribue sa longévité et sa bonne santé à son régime végétalien qu'il suit depuis un peu plus de 50 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un de surprenant, très intéressant et qui, encore récemment, s'occupait de planter lui-même les poteaux de sa propriété pour délimiter son terrain sans problème, à plus de 96 ans. C'est pas mal. Ça se rapproche un petit peu à ce que racontait Fabien Delcourt au mode alimentaire paléo. Non, c'est pas du paléo. Alors, ça dépend quelle vision du paléo, parce qu'après, le terme paléo est utilisé pas forcément de la même manière chez tout le monde. En tout cas, donc peu de paléos sont végétariens ou végétaliens. Les paléos, d'après ce que moi je comprends, en tout cas, mangent beaucoup de fruits et légumes, c'est une très bonne chose, mais ont tendance à ne pas manger de céréales ni de légumineuses, donc la famille de tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, etc.
Et en fait, ça, c'est un autre point commun qu'on retrouve dans toutes les zones bleues, c'est que les gens, en fait, mangent beaucoup de légumineuses, que ce soit du soja à Okinawa et à Loma Linda, ou bien des haricots rouges au Costa Rica, ou encore donc des fèves en Sardaigne ou des lentilles sur l'île d'Icaria. Donc, les légumineuses sont une part importante de l'alimentation des zones bleues, vraiment un très bon promoteur de bonne santé et de longévité, et malheureusement décrié aujourd'hui par le mouvement paléo, je pense, sur une incompréhension de certains composants des légumineuses qui sont vus comme néfastes, alors qu'ils sont au contraire bénéfiques pour la santé. D'accord. Bon, tout à l'heure, tu nous parlais des frères Kellogg's. Oui. C'est vrai qu'il y a une petite polémique quand même sur les frères Kellogg's, tout n'est pas très clair. Oui, oui, ils avaient une vision très rigoureuse de la sexualité notamment, c'est peut-être ça ce à quoi tu penses. Non, on parle effectivement au niveau alimentaire aujourd'hui, parce que sinon le problème c'est qu'on risque de trop s'éparpiller, et c'est les céréales Kellogg's. Ah oui, alors attention, les frères Kellogg's, ils datent du fin 19e siècle. L'entreprise ouais. Kellogg's, c'est quand même autre chose maintenant. Effectivement, ce sont les céréales du matin, du petit déjeuner. Bon, ils ont créé les cornflakes, c'est sûr, mais Harvey Kellogg a aussi créé pas mal de substituts à la viande à l'époque, puisque de part de son appartenance au groupe religieux des Adventistes du Septième Jour, il avait l'idée que il fallait pas que les Américains continuent à manger des œufs et du bacon tous les matins comme ce qu'ils faisaient avant, puisqu'il estimait que c'était pas bon pour la santé. Et je rejoins relativement là-dessus. Et du coup, c'est lui qui a vraiment promu le beurre de cacahuète, le peanut butter à la place du beurre, ainsi que donc les céréales, donc les cornflakes. Et le lait de soja, donc à partir du début du XXe siècle. D'accord. Et alors, tout n'est pas parfait dedans, mais en tout cas, c'est des alternatives qui ont été produites à l'époque, promues par Kellogg. Et aujourd'hui, on connaît l'entreprise pour les céréales du matin. C'est vrai que voilà, c'est discuté énormément, cette histoire de céréales au matin. Oui, alors ça, les Adventistes du Septième Jour aujourd'hui ne mangent pas forcément des cornflakes ce matin. Non, je ne parle pas de marque ou quoi que ce soit. C'est le fait de manger des céréales. Comme tu parlais, des lobbies par rapport au lait, par rapport à la viande. Il y a eu des gens qui se sont exprimés ces derniers temps et par rapport à cette histoire justement de céréales. Oui, bien sûr. Et voilà, tout le monde ne partage pas cette envie furieuse de se jeter le matin sur les céréales. Oui, et c'est pas du tout ce que je recommande. Hein. J'espère que j'étais clair. Hein. C'est pas du tout quelque chose que je recommande, les céréales du matin. Mais c'est mieux que le bacon, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Probablement. Et après, ça dépend ce qu'on met avec les céréales aussi, puisque comme aujourd'hui finalement je pense que les vendeurs de paquets de céréales vont avoir tendance à dire que c'est important de manger des céréales accompagnées d'un grand verre de lait, dans un bol de lait, puisque ça va apporter du calcium, etc. Enfin, ils vont avoir un discours basé sur une espèce de pseudo-science qui donne l'impression que leur petit déjeuner idéal est vraiment bon, alors qu'il ne l'est pas du tout, et va au contraire même promouvoir des problèmes type, comment on appelle ça, j'ai un trou là, quand les gens parfois on a du sucre, on a de tout, ça peut être additif, ça peut être diabète. Oui, non, mais même quand c'est naturel, mais bref, je trouve plus le terme, mais en tout cas le petit déjeuner idéal ne ressemble pas forcément à ça, et les gens que j'ai vus dans les zones bleues qui mangent a priori une alimentation qui a l'air de promouvoir la longévité et la santé, ils ont souvent un petit déjeuner, mais c'est souvent un petit déjeuner d'ailleurs salé. Et je pense au Costa Rica, le petit déjeuner qui est très commun, c'est gallo pinto, et c'est un mélange de riz et de haricots rouges, tout simplement. D'accord. Voilà. Avec éventuellement un peu d'œuf à côté, et c'est pas du tout systématique, mais voilà, c'est ce qu'on observe. Donc riz, haricots rouges, quelques légumes, et voilà, le petit déj est fait. D'accord. Il faudra avoir des explications petit déjeuner-là, elle n'est pas du tout paléo pour le coup. Non, pas du tout. Contraire du paléo, et pourtant c'est le petit déjeuner, donc un petit déjeuner classique dans les zones bleues, et même un repas classique dans les zones bleues, c'est un repas qui va inclure souvent des céréales, alors souvent sans gluten, et des fameuses légumineuses tant décriées et pourtant si bénéfiques pour la santé. D'accord. De toute façon, on va avoir des couleurs tellement énormes
sur ces 1000 interviews que du coup. Pour ça, c'est aussi pour ça, et c'est intéressant que tu m'interviewes aujourd'hui, c'est pour ça que moi, donc, j'ai voulu, alors j'accompagne des personnes à avoir une meilleure santé grâce à l'alimentation notamment depuis 7 ans, enfin depuis 6-7 ans à peu près, et je vois les résultats, et j'ai pu voir des résultats extraordinaires sur la santé, voilà, grâce aux conseils que j'ai pu donner ou bien grâce à des choses que j'ai apprises et que j'ai pu voir sur le terrain directement lors de mes formations, notamment aux États-Unis à l'Institut Hippocrate en Floride. Et j'ai voulu aussi vérifier si mes conseils étaient conformes avec ce qu'on observait sur le terrain chez les gens qui vivent vraiment longtemps en bonne santé. Et je suis ravi de voir que c'est le cas. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu pousser mes recherches. Et parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on entend tellement de messages qu'on peut se dire, mais même moi, hein, pourtant, j'ai eu plein de résultats très positifs, j'ai pu me poser la question, mais pourquoi il y a des gens qui disent que c'est si mauvais que ça, les légumineuses, je ne comprends pas. Est-ce que leur théorie, elle tient la route? Et quand je vais sur le terrain et que je vois ce qui se passe et que je vois que c'est en contradiction totale avec les observations sur le terrain, là, je me dis, c'est quand même bizarre qu'une théorie ait autant de pouvoir aujourd'hui alors qu'elle n'est pas basée sur des faits. C'est incroyable. Donc voilà, donc, c'est ça que je veux dire, c'est que moi j'ai voulu, peut-être à la différence de la plupart des coachs en santé ou des nutritionnistes ou autres, eh bien, je vais faire mes recherches et je vais sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis aussi globe-trotteur. Je vais dans le monde, je vais voir les vraies personnes qui vivent longtemps et en bonne santé et je vais voir quels sont leurs secrets. Et c'est pas, ils ne suivent pas les trucs à la mode, on va dire. Non, mais c'est bien, c'est ce que je recommande de toute façon. Hein. Tout le monde, c'est de prendre sa santé à bras le corps et puis et faire les choses en fonction de soi, en fait. Donc, du coup, ben, là, tu nous as dit hein, les principaux conseils, simplicité. Alors, j'ai pas dit grand-chose, mais en tout cas, mettre le paquet sur le végétal, très clairement, c'est quelque chose qui va fortement améliorer la santé à la fois sur le court terme et sur le long terme. Et peut-être que le principal problème, ce sont les produits laitiers, en particulier donc tout ce qui est à base de protéines de lait et notamment de caséine. Donc, éviter tout ce qui est… je parle du lait de vache en particulier, hein, attention. En particulier, tout ce qui est fromage, yaourt et lait tout court, de lait de vache, sachant que brebis et chèvres, ça passe en général mieux et c'est un peu consommé en Sardaigne notamment et à Icaria. Et la viande, vraiment limitée. On peut être tout à fait végétarien et être en très bonne santé. Moi, ça fait 10 ans que je suis végétarien pour information. Et les végétariens en général ont quelques années de plus d'espérance de vie que les non-végétariens. Et dans les zones bleues, donc les gens mangent très peu de protéines animales. Et puis eh bien, consommer des légumineuses, consommer des aliments peu transformés, et puis beaucoup de légumes tous les jours, quoi. Et il y a aussi un autre aliment dont je n'ai pas encore parlé qui est vraiment intéressant, ce sont les oléagineux, donc tout ce qui est graines un peu riches en lipides, type noix, noisettes, amandes, même cacahuètes, c'est un peu bâtard entre oléagineux et légumineuses, mais ce sont des aliments qui semblent apporter beaucoup de bénéfices pour la santé à court et à long terme. Sauf en cas d'intolérance, évidemment, ou autre allergie. Ce sera intéressant qu'on dise, que je puisse discuter avec des nutritionnistes africains qui mangent beaucoup d'oléagineux, beurre de cacahuète avec le poulet yassa, avec le beurre de cacahuète. Et puis, ils ont beaucoup de… Donc, si j'ai l'occasion de discuter avec un nutritionniste africain… Ouais. Alors, il y a une étude, ça me fait rebondir un petit peu par rapport au beurre de cacahuète. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un aliment santé, j'en suis pas sûr à 100%, contrairement plus digéré aux amandes, aux noix ou aux noisettes. Mais en fait, il y a un problème avec les cacahuètes qui est parfois la présence dans des chaînes de production de beurre de cacahuète dans des pays en voie de développement. Parfois, les cacahuètes, celles qui sont réservées pour le beurre de cacahuète, ce sont les cacahuètes qui sont pourries. Et donc, ils sont couvertes de moisissures qui génèrent des toxines extrêmement toxiques, qu'on appelle des aflatoxines. Et donc, évidemment, ce genre de beurre de cacahuète n'est pas vraiment recommandé pour la santé. Et on va en trouver pas mal dans des pays en voie de développement où, dans les chaînes de production, ils vont avoir tendance à mettre de côté les belles cacahuètes pour les vendre au détail, comme ça. Et les cacahuètes qui sont vraiment pas belles et qui sont à moitié pourries, hop, mélangées dans le beurre de cacahuète. Et là, du coup, on n'a pas un produit de qualité, quoi.
Non, non, mais je... Attention à ça. Moi, j'aurais... Ça me fera plaisir de sur les oléagineux. Bah, en tout cas, on a pu parler des zones bleues. Oui. Et ça a permis de, ça a permis de donner cette petite couleur sympa de, par rapport à l'interview. Et du coup, bah, on te souhaite bah, de continuer tranquillement ben, tes aventures et de nous donner un maximum de preuves et de bonnes de bons conseils quoi pour tout le monde hein. On peut te retrouver sur ton blog. Voilà, Jérémy avec ie-mercier.com et puis sinon ben les livres. Ouais, donc les fameux livres, bien sûr. J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents en finir avec les faux messages alimentation santé. C'est le premier. Et puis le deuxième, c'est pas sur l'alimentation, mais c'est extrêmement complémentaire. L'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant de votre épanouissement. Voilà, mes deux livres. D'accord. Aux éditions de Saxe, partout en librairie et sur Amazon. Et sur, tu as aussi une page professionnelle sur Facebook aussi. Oui, oui, c'est ça. Facebook, Instagram. Ouais. Voilà. Donc, on peut te suivre. Ce sont les endroits où est-ce qu'on peut te suivre. Donc, c'est vraiment bien. En tout cas, merci pour ton interview, Jérémy. Merci à toi, Jean-Marie. Sur les zones bleues. Et puis, du coup, bah, on va continuer à faire notre tour de toutes les personnes qui sont comme Jérémy, motivées pour aider les gens à aller mieux, à vivre plus longtemps. Moi, si vous voulez me contacter, donc c'est Facebook Jean-Marie Loriche Talouse. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez prendre soin de vous, vous avez tout de suite en bas le lien pour cliquer et télécharger votre livre gratuit qui est offert. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.